ministre, à fin septembre, les banques alimentaires lançaient un appel urgent aux volontaires et pour cause, la majorité de leurs volontaires habituels est bien souvent représentée par des personnes âgées qui sont aujourd'hui, en ces temps de crise sanitaire importante, considérées comme à risque et conséquence du virus. Ces personnes ne veulent ou ne peuvent plus, pour de nombreux cas, prendre le risque de venir fournir leur aide aux banques alimentaires. Les banques alimentaires sont dès lors à la recherche urgente de bénévoles, prioritairement des jeunes pour les considérations que je viens de citer, et qui pourraient venir donner quelques heures de leur temps chaque semaine pour garantir le bon fonctionnement de ces banques alimentaires. Alors, depuis longtemps, on encourage les jeunes qu'ils souhaitent à entamer un service citoyen sur base volontaire, à l'instar de ce qui se fait déjà en matière de bénévolat, de volontariat. Il conviendrait d'appuyer les CPAS et ou les services d'action sociale à proposer aux jeunes entre 18 et 25 ans de s'investir durant plusieurs mois, plusieurs semaines au service du bien commun via des projets d'utilité collective, par exemple, dans le secteur de l'aide aux personnes ou de l'environnement, et pourquoi pas via les banques alimentaires. Un cadre légal permettant le travail citoyen sur base volontaire a d'ailleurs été adopté par le précédent gouvernement. Alors, si la politique de ce gouvernement ambitionne de vouloir investir davantage dans les services sociaux spécifiques pour les personnes en situation de pauvreté, comment comptez-vous, Madame la Ministre, mieux informer le grand public de ne fût-ce que l'existence des banques alimentaires, mais aussi de leurs actions et plus encore de leurs besoins? Est-ce qu'une campagne de promotion du volontariat au sein de ces banques alimentaires est envisageable? Est-ce que la plateforme pour le service citoyen pourrait, par exemple, répondre à l'appel des banques alimentaires? Je vous remercie.